cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle. On va bien voir. On cherche une solution. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Ah, c'est dommage de rater une occasion pareille. Le ballon était bien posé, le problème n'est pas là. Peut-être un peu de précipitation dans la finition. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. C'est dégagé en corner. Cette action à nouveau, on est passé très près du but. Ah, il est bien parti ce corner. Ah non, il n'est pas bien tiré ce corner. Serrero. Oh, il peut centrer. Oh, le tac. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. On revoit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. William Carvalho. Pizzi. Bruno Fernandes. José Conte, Rafael Guerrero, Mario Rui. On cherche la faille dans la défense adverse. Cristiano Ronaldo qui est au centre. Non, c'est contré. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Dean Ferman. William Carvalho. Très mal donné hein, ce ballon. Nous sommes dans un stade dont la capacité n'est pas ridicule, hein, Pierre. Bah, avec 27 000 places, tu peux jouer en C1. Hein. Chercher une ouverture, bien sûr. Oh, il va filer au but. C'est Herrero. Et c'est au fond. Il ne pouvait rien faire, le gardien, là, à 2 contre 1. Ah, dans ce genre de situation, si les deux attaquants font pas n'importe quoi, c'est but à tous les coups. Hein. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. José Ponte. Rafael Guerrero. La passe est coupée et bien défendue. C'est donné en profondeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah oui, cette fois c'est fait. Ah, c'était gentil de la part du gardien de déserter son but comme ça. Ouais, et puis ça n'a pas déconcentré le joueur au moment de conclure, heureusement d'ailleurs. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. William Carvalho. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Cristiano Ronaldo qui prend la frappe. But pour le Portugal. C'est ce qu'on appelle une réponse rapide. Oui, c'est pratiquement sur l'engagement qu'il marque, non? Oui. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oh, le gros exploit personnel, attention. Et le but. Oh, encore un. Attention, ce match n'est peut-être pas terminé. Ouais, ils sont partis du rond central et à peine encaissé, ils étaient repartis de l'autre côté. T'as raison, Hervé. Ils se sont rués à l'attaque et ça a payé.
Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Bonne intervention, intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Cristiano Ronaldo, elle a même passé en profondeur, bien vu. Jean-Félix. Ah, il faut cadrer si on veut marquer. Serrero. Dean Ferman. C'est qu'il y a dans l'espace et c'est cadeau. Ah ouais, c'est bien fait ça. Cristiano Ronaldo. Le gardien qui gagne son duel, hein, finalement. Ouais, une sortie dans les pieds, très propre. Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Ronaldo. Ouais, ça sort, ce sera pour les Portugais. Cristiano Ronaldo. Allez, un centre, un centre. Allez, ils peuvent égaliser là. Le gardien, c'est pas fini. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ah, qu'est-ce qu'il s'en veut d'avoir manqué cette occasion de but alors qu'il pouvait remettre les deux équipes à égalité. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, c'est pour le gardien. Cherche le point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Ballon capté par le gardien. Ruben Dias. Rafael Guerrero. Il a la place pour centrer. Ce centre qui trouve finalement un joueur adverse. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Oh, le tacle dans la surface, c'était osé. Mais il a eu raison, ça a payé. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Il glisse ce ballon en profondeur. Le gardien qui repousse, attention. Ouais, c'est pas ce qu'il voulait faire, il a perdu le ballon, Cristiano Ronaldo. Dean Ferman. Lui qui a envie de jouer son rôle de 12e homme, c'est le bon moment. Ouais, il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Mario, oui. Rafael Guerrero. Il faut trouver une option disponible. Ah, bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. La passe est coupée, et bien défendu. Cristiano Ronaldo qui prend la frappe. Et le gardien qui écarte le danger. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et cela ne donnera rien du tout. Il va pouvoir frapper peut-être. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Dean Ferman.
Il cherche une solution. Ça, ça peut devenir dangereux. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Oh, le ballon dangereux. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. 4 à 2, avance de début au tableau d'affichage. João Félix. Ruben Dias. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Le Portugal qui attaque. Et l'excellente intervention du gardien. Il cherche le point de pénalty. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Et les Portugais obtiennent la touche. Mario Rui. Un ballon pour l'adversaire. Il cherche des solutions là. Il essaye de trouver la faille. Aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. C'est l'héros. Cristiano Ronaldo. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Rafael Guerrero. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Un ballon qui est rendu au camp adverse. On va en rester là pour cette première période, mais c'est déjà pas mal. 4 buts à 2. On a vu beaucoup de buts. Les Portugais dans le rond central, ce sont eux qui engagent cette seconde période. Rafael Guerrero. Cristiano Ronaldo. Rafael Guerrero. Oh, perdu pour perdu, il a décidé de tacler. Et sans réfléchir, je crois bien. Lebo Motiba. Dean Ferman. On entre dans la zone dangereuse. Ils construisent, ils font tourner. On cherche la faille dans la défense adverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? William Carvalho. Cristiano Ronaldo. João Félix. João Félix. Ouais, le bon arrêt là, tu éloignes le danger. Ah, la bonne qualité de ses passes. Je n'ai pas bien compris parce qu'il en a déjà marqué des bien plus compliqués que ça. Mario Rui. Rafael Guerrero. William Carvalho. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Pizzi. Il gagne son duel. Non, ce n'est pas cadré. Dommage. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre.
Ah, il enchaîne les bonnes passes. Rafael Guerrero. Cristiano. Cristiano Ronaldo. La bonne passe en profondeur. Bien vu. Le ballon qui a été contré. C'est presque la même que tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, c'était cadré. Puis ça change tout. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Allez, peut-être une bonne occasion. Serrero. Dean Ferman. Ah non, le ballon est perdu. Joe Félix. Cristiano Ronaldo. Oh, le bon ballon donné par Cristiano Ronaldo. Attention, ça peut faire mal. Plus qu'un but pour arracher le nul. Ah, ce but très important, car il permet à cette équipe de réduire l'écart. Voilà, et le suspense est relancé. Ah, c'est pas un match pour les gardiens aujourd'hui, hein. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. On cherche des solutions là. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Ricardo Pereira. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu. Hein. Oh, c'est gris. Frappe! Plonge. Magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Allez, corner pour égaliser peut-être. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Mauvais dégagement là, attention. La frappe. Heureusement qu'il a été dévié, sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant, il n'y a personne. João Moutinho, Mario Rui, Robert Neves. C'est nommé en profondeur. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. João Moutinho, Pizzi, William Carvalho, Pizzi, il essaye de trouver la faille, il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Robert Neves, João Félix, oui, il y avait un espace, il l'a vu. Allez, c'est pour un partenaire au premier poteau. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Bah non, ils n'ont pas bien joué le coup les attaquants sur ce contre. Ce ballon en profondeur. Ah, ce ballon qui finit loin du but.
Intervention. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, bel appel de balle. La parade du gardien qui repousse. Oh oui, ça rentre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce match, sérieux. Ils étaient menés de 2 buts et maintenant ils sont à égalité. On voit cette action. C'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière. Mais bon, fallait le mettre. Ouais, ouais, c'est ça, il en a profité. En même temps, il n'avait pas le droit de rater ça. Oh, le festival qui continue, hein. C'est complètement fou. Ben Neves. Attention, ça peut être dangereux. Le gardien qui gagne son duel face à la porte. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. L'espace s'est rendu direct à l'adversaire. Ruben Neves. Et le gardien qui écarte le danger. À le corner. La voici peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette rencontre. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Il gagne son duel. Très mal donné, hein, ce ballon. C'est une occasion nette pour cette équipe alors qu'il pouvait prendre l'avantage. Que c'est nul. Ouais, après un bon pressing, eh bien, il retrouve la possession du ballon. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Lebo Motiba. Serrero. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ah, la passe en profondeur, attention. La frappe. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Corner pour le Portugal. C'est un petit peu une balle de match qu'il joue là. Et le tireur qui a visé à la zone du... Ça va rien donner, cette tête qui passe assez loin du cadre. Ouais, il était bien marqué, il pouvait pas faire grand-chose de plus. Dean Ferman. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour Jean-Félix. Il fallait pas se rater, hein, sur cet arrêt. Ouais, c'est peut-être le tournant du match, on verra. Dean Ferman. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Oh là là, c'était juste et dangereux. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Ruben Neves. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, c'est bien donné ça. Oh non, oh, il n'y avait plus que le gardien effacé. Ouais, il s'est un peu désuni au moment de la frappe. Ça manque de concentration ça. Un petit peu d'espace devant lui. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Il centre au second poteau. La bonne présence là du gardien. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, elle va faire du bien à son équipe, cette interception. Elle s'est récupérée. On cherche une solution. Ah, l'occasion peut-être de mener. Oh oui! Oh oui, le but! Oh, le but de la victoire peut-être! Ah, ça c'est bien possible, je vois pas trop comment le match peut leur échapper désormais. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein.
Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions pour eux dans ce match. Ils vont tenter d'aller chercher cette égalisation. Ils sont traversés par Tonnerre. C'est loupé, cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup c'est sans danger pour le gardien. Voilà, le coup de sifflet final, c'est terminé. Ce match qui aurait été plus serré qu'on ne le pensait, hein, Pierre. Oui, bien sûr, le favori s'est imposé, mais c'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir. L'adversaire s'est bien battu.